Avant de commencer les analyses biochimiques, il faut tout d'abord faire la maintenance de l'appareil. Dans notre cas, c'est Cobas Integra 400+. Chaque matin, il faut vidanger le déchet liquide qui se trouve dans le réservoir jaune, ce qu'on appelle waste. Il faut remplir le réservoir blanc avec de l'eau distillée. Il faut vidanger le box, la poubelle, le déchet solide. Vérifier aussi le niveau de la solution clean. Et vérifier qu'il y ait assez de cuvettes pour les analyses. Il faut aussi contrôler le niveau des fluides dans le module ISE, module pour effectuer les analyses de l'ionogramme. Il s'agit de 3 flacons. Et aussi vérifier les niveaux des solutions dans le rack iono, ISE. Donc, c'est la solution déprotonise, NaCl dilué, solution 1, 2, solution HR et l'activateur de l'aiguille. Il faut s'assurer qu'il y ait assez de réactifs pour les différents paramètres biochimiques. On regarde sur l'écran. L'interface de logiciel Integra se présente ainsi. Il y a 9 icônes à droite et 6 fenêtres pour l'icône de l'analyseur. Il suffit d'appuyer sur la fenêtre cassette pour voir tous les différents réactifs et les différents tests, le nombre de tests que contient les cassettes. Cette partie de l'appareil contient les racks des différents réactifs. Mes racks se présentent ainsi. Par exemple, cette cassette est celle de la créate, halate, phosphore, acide urique. Le rack rouge est celui des calibrateurs et des contrôles. Par exemple, CFAS, Calibrator for Automated System, PCC1, le contrôle normal, PCC2, le contrôle pathologique, et puis les calibrateurs des CFAS lipides, calibrateurs de lipides, calibrateurs de protéines, calibrateurs pour les urines, etc. Dans cette zone-là, elle est consacrée pour les analyses des échantillons. Donc, il y a deux types d'échantillons. Il y a les échantillons plasmatique et les échantillons urinaires. Donc les racks pour les échantillons plasmatiques, il existe 3 racks bleus se présentant ainsi. Le rack 1, le rack jaune et celui des urines, c'est le rack 4, et le rack 5 vert et celui des quantités insuffisantes. Il suffit juste de prendre le sérum, le décanter dans cette petite cupule bleue. Après l'étape de la vérification, on peut commencer la maintenance. Donc, on appuie sur la 7e icône. Donc, ces actions d'entretien se présentent ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 étapes. Le début de journée, il faut amorcer tout d'abord le système de fluide. Il faut juste appuyer et exécuter. Déprotéiniser les aiguilles. La troisième action, c'est initialiser le module ISE. Entretien des électrodes, l'activation des électrodes et enfin l'amorçage des calibrateurs ISE. On peut aussi effectuer le nettoyage automatique de la tour ISE.
Chaque début de journée, après la maintenance, il faut impérativement étalonner les paramètres de l'ionogramme, puis passer le contrôle normal et pathologique pour tous les paramètres biochimiques, tels que glycémie, créate, gamma GT, CRP, etc. Donc pour ce faire, on appuie sur l'icône Demande, c'est celle-là, pour calibrer l'iono. Donc Demande et Calibration. On appuie sur Iono pour calibrer et puis on enregistre. Puis on passe pour le contrôle de qualité. On appuie sur le PCC1 et PCC2. Tous les paramètres à contrôler figurent sur cette liste-là. Et puis on enregistre. Et on démarre les analyses. Voilà un exemple de bande d'analyse acheminée au laboratoire. Et il faut s'assurer que la matricule sur le tube soit la même sur le banc. Donc on commence la saisie. Cardio B, donc les initiales CB. On passe. Cette année, la matricule, entrée, on saisit le nom, donc IONO, l'abréviation IONO IS, IONO sanguin, urée, U, créate, créatinine, CRP, CPK, CK, bilan hépatique, il y a transaminase, phosphatase alcaline, bilirubine totale, on ajoute gamma GT et bile D, acide urique AU, calcémie CA, et voilà. On appuie sur F2 pour enregistrer et faire sortir les étiquettes. L'enregistrement de la saisie nous permet d'avoir deux étiquettes. L'une va être mise sur le banc et l'autre sur le tube. Le tube maintenant peut être analysé dans l'appareil. On peut ainsi mettre le tube, coda barre apparent, position 3 par exemple, dans le rack 1. Et on commence l'analyse. Analyser les différentes valeurs des différents paramètres saisis seront transférées vers le logiciel informatique. On peut ainsi valider. Après la validation, on imprime le bilan. On appuie sur le bouton imprimer.